Donc, bonjour Monsieur Mirande, et en tant qu'analyste de rêve, j'aimerais savoir ce qu'une maison, lorsque l'on rêve de maison, ce qu'elle peut représenter donc dans les rêves. Oui, alors pour expliquer le symbole de la maison, il faut parler de quelque chose qui est un petit peu différent du symbole. Pour faire une introduction, c'est parler de la notion d'archétype. C'est-à-dire qu'une maison va symboliser beaucoup de choses, mais il y a une sens archétypale qui va cerner déjà les principales interprétations de la maison. Il faut savoir que tous les symboles mutent et évoluent dans l'inconscient toute la vie. Que cette mutation, c'est une mutation en spirale, une mutation avec des mouvements ascensionnels ou au contraire de descente qui indiquent la transformation de la maison. Mais la progression de la transformation de la maison conduit de plus en plus à une maison extraordinaire qui peut devenir une belle villa, puis un château, puis un temple universel. Donc l'évolution de la maison conduit vers l'archétype du soi, ce que Jung appelle l'archétype du soi, qui peut être la maison devenue château, la maison devenue temple universel, par exemple. Voilà, pour indiquer qu'il y a une fonction archétypale évolutive de la maison. À partir de cette évolution archétypale de la maison, que va symboliser la maison en général? Alors, il y a plusieurs interprétations. Déjà, sur le plan psychologique, notre première maison, c'est le ventre maternel. Donc, la symbolique de la maison, quand on commence à noter ses rêves, va être liée avec le vécu intra-utérin. Donc, on peut deviner, en tant qu'analyste, ce qu'il a pu se passer pendant les 9 mois de grossesse à travers les symboles où on se voit dans une maison. Alors, c'est un peu complexe parce qu'il y a plusieurs phases. Donc, il y a bien sûr la phase intra-utérine, mais après, la maison peut ressembler au foyer de l'enfance. Et comme il y a plusieurs stades de l'enfance, il y a la prime enfance, la petite enfance, la seconde enfance, puis un jour où on quitte la maison des parents pour avoir sa propre maison. Donc il y a l'image du foyer de l'enfance qui se découpe en plusieurs phases, hein, prime enfance, ensuite petite enfance, ensuite seconde enfance. Entre la petite et la seconde enfance, c'est l'Œdipe, hein, c'est le moment. Transition, le passage l'un à l'autre. Et puis, après l'Œdipe, on reste toujours dans la maison des parents, jusqu'au jour où on a sa propre maison. Donc, il y a plusieurs images, plusieurs étapes du foyer de l'enfance. Alors, quand on rêve d'une maison, elle peut être liée à une de ces étapes. Donc, ça, c'est déjà une intention psychologique très intéressante sur la psychologie de l'enfance. Après, il y a la psychologie du couple. Donc, si on a vécu un couple, il y a avec une personne, une seule personne, ou avec plusieurs personnes successives dans sa vie, il y a donc plusieurs images de foyer. Et donc, il y a plusieurs images de maison reliées à ces différentes phases, s'il y en a eu plusieurs. Voilà. S'il n'y en a eu qu'une seule vie de couple, eh bien, le foyer de couple sera représentatif de cette période-là. Donc, de ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Donc ça, c'est la maison liée à la psychologie de l'enfance ou à la psychologie de couple. Ensuite, il y a la maison qui figure une image de soi-même. Alors, si on fait dessiner une maison, par exemple, la maison va toujours ressembler à une partie de l'image du corps. Alors là, pour étudier l'image du corps, il y a deux choses à étudier. Il y a le schéma corporel et l'image du corps qui sont deux choses différentes. Le schéma corporel, c'est la réalité de notre physique. Donc la maison peut ressembler à notre physique. Et, par exemple, celui qui s'est blessé un jour à la tête peut très bien voir le toit abîmé d'une maison en rêve. Voilà, alors là, donc on fait une analogie très simple. Donc l'image du corps se voit, bien sûr, dans les rêves. Celui qui a des problèmes de colonne vertébrale, il va voir des escaliers abîmés ou des ascenseurs abîmés. Donc tout ce qui est axe de la maison, l'escalier ou l'ascenseur, la cage d'ascenseur, donc vont coder la colonne vertébrale. Voilà, donc il y a la maison, image du corps. Et puis il y a l'image que l'on en a psychologiquement. Alors on peut se voir en négatif ou en positif. Ce qui fait que l'image de la maison
peut être positive ou négative selon la façon où on la dépeint par rapport à ce que l'on vit dans son corps. Or, dans les rêves, déjà, il faut savoir si la représentation de la maison est notre réalité corporelle ou si c'est une image imaginative de la façon dont on se perçoit. Voilà, donc il faut ça, il faut différencier les deux, bien sûr. Mais la maison va coder, donc, au niveau de la réalité psychique, de la réalité physique de la maison. Chaque partie de la maison va être liée à un aspect du corps. Le bas de la maison correspond bien sûr au bas du corps. Et le sommet de la maison, le toit, va correspondre au sommet du crâne, par exemple. Et alors, toutes les ouvertures de la maison correspondent aux ouvertures du corps. Alors là, il faut faire la relation. Donc, il y a 7 ouvertures au niveau du visage, donc qui sont codées dans les rêves par les fenêtres et les portes. Hein. Souvent, la porte d'entrée va être la bouche, si la maison représente que la tête. Et les fenêtres vont représenter les yeux, les oreilles et les narines. Puisqu'à travers la fenêtre, on sent les odeurs qui viennent de l'extérieur, ou on sent de l'extérieur les odeurs qui viennent de la maison. Donc il y a ce passage des odeurs, donc les narines, il y a les images que l'on voit quand on regarde à l'extérieur ou quand on regarde à l'intérieur d'une maison, et puis il y a les oreilles, puisqu'on entend les bruits extérieurs, et puis de l'extérieur, on entend les bruits à l'intérieur de la maison. Voilà, donc il y a ces 7 orifices du visage qui sont reliés aux portes-fenêtres de la maison. Et puis, il y a les autres trous du corps qui sont en relation avec la maison. Alors, quand la maison représente l'ensemble du corps, la porte principale de la maison, la porte d'entrée, en principe sur la façade de la maison, c'est bien sûr le sexe féminin, hein, l'entrée, la porte. Donc, si c'est la porte derrière, c'est l'anus. Hein. Voilà, donc ça c'est des choses qui nous permettent de mettre en relation avec les trous du corps. Ensuite, nous avons pour la poitrine féminine, puisque c'est par là que la mère va allaiter son bébé, donc les seins sont représentés bien sûr par les balcons, les terrasses en hauteur. Voilà, la terrasse du haut c'est le sommet du crâne, mais les terrasses différentes hauteurs peuvent représenter bien sûr les seins féminins. Voilà, donc nous avons ces aspects-là qui sont intéressants. Les WC sont reliés souvent à l'anus, hein, puisque les WC sont un lieu d'élimination. Mais dans certains rêves sexuels, si on prend Freud par exemple, bien sûr que les WC, peuvent coder dans la sexualité le sexe féminin, puisque on va se décharger dans le sexe féminin en tant que garçon, on va éjaculer, donc et ça peut être une élimination de tension, la sexualité. Donc les WC peuvent coder à ce moment-là le sexe féminin, mais souvent ils codent l'anus puisqu'ils sont reliés à l'élimination. Mais c'est donc l'élimination corps à esprit, ça peut être, c'est pas obligatoirement une élimination corporelle. Voilà, ça peut être l'évacuation de l'âme ou de l'esprit. Donc, la cuisine est liée à la préparation du repas, donc tout le système qui nous permet de nous alimenter. Et le corps à esprit, pas obligatoirement l'alimentation physique. Et la salle à manger, bien sûr, lui où l'on mange, ou la cuisine où on mange, c'est lié à tout système digestif. Donc c'est très intéressant. La salle de bain va coder davantage les reins, vessies. Les WC peuvent coder aussi la vessie, hein, bien sûr, l'élimination de l'urine. Mais la salle de bain va être le lieu donc de la purification. Et donc on va pouvoir étudier toute la psychosomatique, toutes les maladies à travers les différentes pièces qui sont affectées par tel ou tel problème. Ce qui se passe dans telle ou telle pièce va désigner telle ou telle partie du corps. Par exemple, si dans la salle de séjour il y a une cheminée ou dans le salon il y a une cheminée, la cheminée va coder le foyer du foyer et il va coder plutôt le cœur, hein, le chakra du cœur.
ou l'organe du cœur, selon les différentes études que l'on peut faire. Tout le système de la respiration, tout le système respiratoire du corps humain va être lié à l'ouverture ou la fermeture des fenêtres, des portes. Donc il y a toute une recherche qu'on peut faire là-dedans. La cave peut représenter, par exemple, les testicules de l'homme. Donc c'est ce qu'il y a quand on est en position assise, c'est la partie basse. Donc la cave va représenter au niveau anatomique souvent les testicules. Voilà, on peut faire des analogies comme ça. Les antennes d'une maison vont coder les capacités psychiques intuitives, par exemple, les capacités sensorielles subtiles, les antennes qui sont sur le toit. Voilà. Et la cheminée, dans la symbolique, va être liée dans le yoga à cette fameuse kundalini. Toutes les cheminées de maison représentent le système énergétique du corps subtil dans l'énergétique de l'Inde. Voilà pour la maison en tant que représentation du corps. Ensuite, le troisième aspect de la maison, c'est tout le rapport entre introversion et extraversion. Sortir de la maison, extraversion, rencontre des autres et du monde, retour vers la maison, introspection, retour vers soi-même. Alors en négatif, sortir de la maison, ça peut être un échappatoire, une fuite. En positif, c'est la découverte donc, du monde et des autres. Et la rentrée de la maison, en positif, c'est introspection, intériorisation pour une étude de soi-même, un retour en arrière. Et en négatif, c'est bien sûr le côté schizoïde, donc d'enfermement sur soi. Donc quand on rêve trop souvent qu'on est chez soi. Alors tout ce mouvement entre la maison et l'extérieur indique le rapport extraversion-introversion de Jung. Tout cet aspect très intéressant entre notre socialisation ou notre individuation. Et lorsque les personnes justement viennent dans la maison? Alors lorsque les personnes viennent dans la maison, c'est toujours un enrichissement. Donc c'est la rencontre des autres, c'est se faire connaître par l'autre. Donc, puisqu'il rentre dans notre intimité, donc ça représente bien sûr sur un plan social un enrichissement. Donc, ça va annoncer, par exemple, pour tout le monde, quand on passe de la vie célibataire à la vie à deux, donc toute une évolution vers la rencontre au moins d'une personne. Mais ensuite, les amis, la famille, les gens qui viennent chez nous. C'est souvent un enrichissement. Si c'est trop, si on se voit débordé par le nombre, c'est qu'on va trop loin là-dedans, ou notre intimité peut être trop dévoilée, ou on peut se laisser bouffer par les autres aussi, donc en négatif, c'est cela. Il faut toujours faire une interprétation taoïste du symbole, voir l'aspect positif et négatif. Voilà, dans la symbolique sexuelle, l'entrée dans la maison, c'est la rencontre, bien sûr, entre le masculin et le féminin. Mais par exemple, dans une maison où on est un homme dans sa maison, et c'est un homme qui rentre dans la maison, ou si c'est une femme qui rentre dans la maison, c'est pas la même chose. Si on est une femme et que c'est un homme ou une femme qui rentre dans la maison, c'est pas la même chose. Si c'est plusieurs personnes de sexe différent, c'est pas la même chose. Donc il y a plusieurs interprétations qui vont être liées soit à notre type de sexualité, soit à notre type d'évolution vers l'idée d'androgyna, c'est-à-dire de rencontre de l'unité entre soi et les autres. Oui. Des fois, la maison code un organe, un seul organe, et le fonctionnement de la maison code le fonctionnement de notre organe, ce qui va pouvoir être très intéressant dans l'étude psychosomatique pour aider quelqu'un à guérir d'une maladie. Mais ça, c'est pas encore connu, puisqu'il n'y a pas de livre sur rêve et psychosomatique. J'ai commencé à en écrire un, mais il n'est pas fini. Et donc, c'est un domaine où il faudra au moins une centaine d'années pour l'étudier, parce qu'il faudrait des analyses de rêve dans tous les services de médecine pour étudier chaque type de maladie. Moi, dans ma carrière, j'ai rencontré que quelques maladies par rapport au nombre de maladies qui existent à travers mes patients. Donc, c'est très léger par rapport à tout ce qui existe. Mais ça me permet de connaître le processus général du fonctionnement des maladies. Après,
donc il faudrait étudier pour chaque maladie comment ça fonctionne dans les rêves. On aurait donc une explication de ce fonctionnement, ce qui aiderait l'analyste à aider la personne à guérir. Donc en l'aidant par le symbolique, à transformer son monde intérieur afin que le rêve change, ce qui l'aiderait à changer sa vie. Mmh. Voilà, et à guérir. Très bien. Merci beaucoup.